J'ai senti qu'il fallait des hommes politiques qui disent tout haut ce que les gens pensent tout haut. Bonjour, cher ami. Bonjour. On a pu tourner le film qu'en décembre, le monter en janvier, le faire le son en février, enfin, et là, enfin, le peaufiner et le montrer là en ce moment. Mais c'est vraiment pour être là pour les élections présidentielles, pour parler enfin des deux sujets qui nous importent, l'écologie et le féminisme. Et on se doutait qu'ils allaient être complètement occultés par d'autres choses. Alors, on pensait que ça serait plutôt par le discours sur les migrants, mais il se trouve que l'actualité internationale fait que c'est autre chose. Ils ont collé tous les deux, ensemble, quoi, l'un derrière l'autre. Gauche, droite, gauche. Les femmes, pour nous, c'est l'avenir, c'est peut-être elles qui vont sauver l'humanité, et l'écologie, c'est le... On va droit dans le mur, et l'humanité va droit dans le mur si on ne s'en préoccupe pas. Les hommes, ça devient tout de suite catastrophique. Poutine en étant une évidence, une espèce de phallus dressé contre le monde entier, capable d'appuyer sur le bouton parce qu'on lui a piqué son jouet. Comme on parle dans le film, on parle du fait que les hommes sont des espèces d'enfants qui ne veulent pas grandir. Alors, chers collègues, c'est impossible. Détruire une forêt millénaire pour construire un village loisir, non, c'est no way. Le réchauffement climatique, vous trouvez ça rigolo, Mireille? Non. Tourner dans un film de Gustave Carvin et Benoît Delépine, c'est un cadeau énorme. Groland, tout ce qu'ils ont fait, leurs films, nous ont accompagnés depuis qu'on a quel âge? Moi, depuis mes 5 ans. Donc, ils m'ont accompagné à l'école, ils m'ont accompagné la première fois au parc Astérix. Enfin, c'est grâce à eux quand même que j'ai pu avoir une vie d'enfant, quoi. Il faut que vous compreniez que vous venez de passer de bipède à quadrupède. Vous baissez votre froc devant n'importe quel lobby. On a un bel exemple. Excusez-moi, est-ce qu'on a un vidéo surveiller les vaches ensemble? C'est comme quand on fait les guignols, il faut avoir un regard sur l'actu, un regard sur la société. Donc en fait, ils ont cette distance, ils ont ce background. Et c'est pour ça que c'est, à mon goût, les seuls qui peuvent traiter de ces sujets-là avec autant d'humour, de recul et d'intelligence. Demain, vous votez pour moi. Allez, on tape. Allez. Top. Hop. Je me suis inspiré de Giscard d'Estaing. Et lui, Jacques Chirac. Fait Jacques Chirac. Écoutez, une chose, et c'est vrai que c'est criant de vérité. Dans la technique d'acteur, c'est qu'il a commencé comme ça, puis il a gommé. Donc en fait, faut accepter qu'une première semaine de tournage avec vous, ça va. Elle est gâchée, elle est à la poubelle. Il y a toujours une belle semaine à la poubelle, et puis après, bah, ça coûte de l'argent, mais ça vaut le coup, paraît-il. Tu sais, si on parlait plus des migrateurs que des migrants, on aurait des campagnes électorales moins pourries. Crois-moi, je vais changer. Tu commences à me plaire de plus en plus, toi.